Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre des Affaires étrangères et des Cultes, Monsieur le secrétaire général de la Présidence, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, Monsieur les doyens et les membres du corps consulaire, Mesdames, Messieurs les cadres et fonctionnaires de la primature, Mesdames, Messieurs, distingués invités. Tout d'abord, permettez-moi, Monsieur le Premier ministre, de vous demander de relayer nos sincères condoléances aux familles des victimes de la catastrophe de cette semaine au Cap-Haïtien. L'année 2021 a été chargée d'épreuves pour Haïti. J'ose dire, trop d'épreuves pour un seul pays. La noblesse d'esprit de son peuple et sa bravoure dans l'adversité lui ont permis d'en faire face avec une intégrité toute singulière et exemplaire. Le président Jovenel Moïse a été tragiquement assassiné en juillet. Nos pensées sont avec sa famille et avec le peuple haïtien. Nous suivons avec intérêt le procès qui lui rendra justice. Le sud du pays a été secoué par un tremblement de terre qui a provoqué de nombreuses victimes et des dégâts matériels importants. La communauté internationale, à côté des autorités haïtiennes, a apporté du soulagement et de l'assistance à ces populations sinistrées par ces désastres naturels. Les besoins sont toujours là. Cette année, la violence a continué à faire des ravages. Aucun effort ne doit être épargné pour remettre l'ordre et la paix entre toutes les Haïtiennes et Haïtiens. Nous relevons les efforts entrepris par le gouvernement que vous dirigez, Monsieur le Premier ministre, pour lutter contre cette insécurité. Vous pouvez être assuré de notre soutien à cet égard. Ces pays méritent mieux. Haïti, conçu dès son émancipation comme un phare de liberté, doit trouver le moyen de rendre à sa population les fruits du développement équitable et inclusif dans leur pays, pour que personne ne soit contraint à émigrer. La communauté internationale continuera aux côtés d'Haïti pour l'accompagner et l'encourager afin que les autorités, la société civile dans son ensemble, les artistes, la classe politique ainsi que le secteur privé trouvent les meilleures voies des solutions à leurs défis institutionnels, politiques, économiques, sociaux et sécuritaires. Les buts étant que toute fille et tout fils de cette terre puissent jouir de leurs droits politiques, civils, économiques et socioculturels en vue de surmonter les nombreuses crises qui les affectent. Nos meilleurs vœux pour cette fin d'année 2021 et pour la nouvelle année 2022 à venir. Espérons que cette prochaine année, Haïti pourra trouver la sérénité et la concorde qu'elle mérite tant. Merci. Merci, Monsieur l'ambassadeur, qui s'est exprimé au nom de l'ensemble du corps diplomatique.
Il est le doyen AI du corps diplomatique. Et en pareille situation, l'État haïtien, en pareille période, l'État reçoit des salutations de fin d'année. Et aujourd'hui, le chef du gouvernement, le docteur Ariel Henry, est à la tête de l'exécutif et c'est lui, au nom de l'État haïtien, qui va exprimer ses propos de circonstance à l'occasion de cette réception de salutations. On appelle à l'instant le chef du gouvernement, le docteur Ariel Henry. Monsieur le doyen AI du corps diplomatique, monsieur le doyen du corps consulaire, mesdames, messieurs des organisations internationales, monsieur le ministre des Affaires étrangères, monsieur le directeur de cabinet, mesdames, messieurs les cadres du ministère, mesdames, messieurs. C'est avec un immense plaisir que je vous accueille ici en ces lieux pour échanger des vœux. Je vous suis reconnaissant pour vos mots de sympathie et vos encouragements. Au nom de mon gouvernement et du peuple haïtien, je tiens à vous exprimer notre gratitude pour toute l'aide que vous nous avez apportée dans les moments difficiles que mon pays a traversé et traverse encore. L'année qui s'achève a été parsemée d'événements douloureux et tragiques qui ont affecté le peuple haïtien dans son ensemble. En ces temps de fête où il est bon ton de formuler des vœux de bonheur, de santé, de prospérité et d'amour, ce n'est pas le moment de faire une revue exhaustive de nos malheurs, de ceux qui nous ont frappés au cours de l'année écoulée. Mais je ne saurais passer sous silence certains faits qui ont mis en péril les fondements mêmes de notre nation. Cela fait plus de 5 mois que le président de la République a été lâchement assassiné. Et nous ne savons toujours pas qui a commandité cet acte odieux. Dieu merci, la sagesse et le sens élevé des intérêts supérieurs de la nation, manifestés par beaucoup de leaders politiques, de la société civile et des organisations populaires, nous ont aidés à passer ce cap difficile en signant un accord politique pour assurer une période intérimaire apaisée. Nous espérons que ces temps de fête inspireront aussi nos autres compatriotes et les portera à saisir cette main fraternelle que je leur tends. Nous avons besoin d'unité et de sérénité pour faire face aux défis collectifs qui nous attendent. Je ne peux pas parler de fête sans avoir une pensée pour nos compatriotes qui ont été victimes de cette tragédie survenue au Cap-Haïtien. Des dizaines de personnes ne verront pas l'année nouvelle parce qu'elles sont mortes d'une atroce souffrance. De nombreuses autres victimes sont clouées et souffrent sur un lit d'hôpital. Mesdames, messieurs, avec le soutien indéfectible des amis d'Haïti que vous représentez, au gouvernement que j'ai l'honneur de diriger, j'ai l'assurance que nous allons parvenir à faire en sorte que l'année qui s'en vient soit bien meilleure à tous égards que celle qui se termine.
Le peuple haïtien compte sur la solidarité de vos pays et de vos organisations. Nous nous réjouissons de la libération des otages américains et canadiens qui vont pouvoir passer les fêtes en famille. Je vous demande et je vous prie de transmettre à vos familles, à vos gouvernements respectifs et aux dirigeants de vos organisations les vœux les meilleurs de mon gouvernement et du peuple haïtien tout entier.